grâce à ta parole. C'est vrai, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, montre-nous la voie. Nous nous écartons de ta voix, Seigneur. Alors ce matin, ce que nous savons, c'est que tu as une parole pour chacun de nous. Seigneur, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Ô Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Prenons ensemble ce chant qui dit que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu. Seigneur, béni soit Dieu. Voilà, on veut saluer ceux et celles qui peuvent aussi nous rejoindre par Internet. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. S'ils sont être souffrants, malades, eh bien, je veux croire que le Seigneur aussi peut les toucher, les relever dans sa grâce. Voilà, on est heureux aussi d'accueillir couple missionnaire Philippe et Morgane Soudrin. Alors, ils sont dans les rangs, là, mais vous allez les voir tout à l'heure. Voilà nos frères et sœurs qui étaient déjà avec nous hier pour la réunion de jeunesse. Il y a un peu plus de 2 ans, ils nous avaient présenté ce projet de partir au Cameroun en tant que missionnaire, travailler avec la CIM, qui est une organisation international de mission évangélique. Et donc voilà, ils sont revenus depuis le mois de juin. Donc, ils ont fait un petit peu la tournée des églises et ils projettent de repartir là prochainement au mois de mars à nouveau au Cameroun. Voilà, donc tout à l'heure, ils nous présenteront cette œuvre du Cameroun. Et puis c'est notre frère Philippe qui va nous apporter quelques instants la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur les bénisse au milieu de nous et
crois qu'on va se faire du bien, voilà, au travers ce soit de la parole de Dieu. Et en regardant l'auditoire, je me dis que oui, c'est vrai que c'est important qu'il y ait des missionnaires, mais la France, c'est une terre de mission. Et ce matin, quand je regarde l'auditoire, c'est quand même un auditoire multiculturel. Hein ? Alors, il y a des Français de souche, hein, des bons Normands, mais il y a toutes sortes de nationalités. Hein, on a des au milieu de nous, alors Africains, donc bon, beaucoup de Congolais, hein, Brazzaville, Kinshasa. On a des Camerounais. Hein. Ah oui, il faut pas oublier les Camerounais. je crois qu'il y a aussi des frères et sœurs de Guinée, du Gabon. On a des Mauriciens, on a des Roumains, hein. Ah oui, pas les oublier. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a des l'île de la Réunion. Ah bah oui. On a aussi les Antillais, Haïtiens, Martinique, Guadeloupe. Oui, voilà, ouais. Brésiliens, oui, ouais. Les Antilles. Ah, donc ça fait vraiment beaucoup de nationalités au milieu de nous. Mais vous savez, au-delà de toutes ces nationalités, ce qu'on est avant tout, aux yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Notre nationalité, c'est d'être enfant de Dieu, avant tout. Dieu parle toutes les langues, mais il n'a qu'un seul peuple en Jésus-Christ. Et oui, on est heureux de faire partie de la famille de Dieu, d'être tous ensemble. Et je crois que, ben oui, comme je disais, notre pays est un pays aussi de mission. Et combien d'âmes qui ont encore besoin de connaître la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors on va chanter ensemble, c'est un vieux cantique, mais que par vous connaissez, qui dit « nous marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut, parce que notre cité, elle est céleste. Nous sommes citoyens des cieux, alléluia, et nous voulons le dire, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. » Mais oui, il est bon, notre Seigneur. Alors chantons ce chant de tout notre cœur. Alléluia. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble. Il a fait pour nous des merveilles.
je veux lui chanter mon amour. Alors vous pouvez le dire à votre voisin. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Amen. Et il va encore en faire, alléluia. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est vrai que nous regardons la grandeur de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Amen. Quand nous regardons sa puissance, la création, nous pouvons que nous dire que nous avons un Dieu qui est puissant. Quand nous regardons le soleil, les planètes, l'univers, nous disons Seigneur, mais ça nous dépasse tout cela. Mais c'est notre Créateur, c'est notre Père. Et nous avons chanté ce chant qui dit « L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien ». Quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Alléluia, Jésus. Ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul es yeah.
seul est digne, merci, Seigneur. Seigneur. Oh Jésus, inonde ce lieu de ta présence. Amen. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Jésus. Alléluia. Nous laissons la place à ta parole. Oh oui, Jésus, Seigneur. C'est vrai, nous avons besoin de toi. Alors parle à nos cœurs ce matin au travers de ta parole, Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante. Amen. Parce qu'elle va, Seigneur, nous emmener à grandir avec toi. Jésus. Ouais, ton serviteur ce matin, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que ton nom seul puisse être béni. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va en laisser la place. Frère Philippe Soudrin, que Dieu bénisse sa parole, bénisse son serviteur.
Ça va ? Bonjour à tous. Plaisir de vous voir, nombreux aussi, surtout en cette période. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Normalement, il y a un petit PowerPoint. Voilà. Petit quiz. Si ça marche, ça va venir peut-être. La technique, hein, les jeunes. Il y a eu quelques petits soucis de technique aussi hier. Vas-y, tu peux y arriver. Ça ne veut pas. Voilà. Il arrive. Qui peut me dire quel est ce magnifique bâtiment ? Alors, il faut parler fort parce que je suis ici. Temple de Salomon, c'est ça ? Non. Oui, là-bas, il y a une main qui est levée. Exact. Au temps de Jésus, fait par Hérode. Donc, quand vous lisez les évangiles et qu'on parle du temple, le voici. Alors, c'est une maquette, hein, parce que ça a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Mais voilà. Dans ce temple, il s'est passé quelque chose qui a une répercussion encore aujourd'hui. Et ce n'est pas anodin. Pourtant, quand on le lit dans nos Bibles, c'est un petit verset. Et je suis sûr qu'on l'a tous lu. Mais on n'a jamais réalisé peut-être cette portée. On va le lire ensemble dans Matthieu 27, versets 50 à 51. Matthieu 27, versets 50 à 51, il est écrit « À ce moment, donc Jésus est sur la croix, il vit ses dernières secondes. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, etc. » Je suis sûr que vous avez tous déjà lu ce passage. Le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Alors, pour comprendre la portée, il faut revenir loin. Quelqu'un ici avait parlé déjà de ça. Le tabernacle. Il faut revenir déjà au temps du tabernacle. Le tabernacle, appelé aussi tente de la rencontre. C'est intéressant. Gardez bien ceci à l'esprit. Tente de la rencontre. Constitué de différentes parties, ce tabernacle. Il y avait le parvis, que vous pouvez voir ici, là-bas. Le parvis, c'est l'endroit où le peuple d'Israël pouvait aller. Il rentrait par une seule porte. Ils faisaient leur sacrifice pour diverses raisons, mais tout le peuple d'Israël pouvait y aller, bien sûr, à certaines conditions. Après, il y avait le tabernacle proprement dit, la tente, qui est constitué de deux parties. Ça va venir aussi. Il y a le lieu saint, où là, c'est tous les prêtres pouvaient y aller. Alors, ils devaient faire des ablutions, des purifications, mais tous les prêtres pouvaient aller là-bas pour faire leur service. Et il y avait le lieu très saint où il y avait le coffre de l'Alliance avec les tables de la loi. On disait même que c'était la présence même de Dieu. Et là, il y avait
qu'une seule personne qui pouvait aller. C'était le grand sacrificateur. On pourrait dire, si je me permets, le big boss des prêtres. Il pouvait aller une fois par an pour le pardon, le grand pardon des péchés du peuple. Et entre, il y a un rideau que vous voyez encadré en rouge. Ou bien dans notre temple de tout à l'heure, le mieux, ça va être qu'on appuie avec la technique. Non. Vas-y. Voilà, là. Un peu plus grand, hein, le rideau. Ce rideau a une portée, a une signification. Pourquoi il y avait un rideau ? Ça montre une réalité claire entre eux. Dans le côté spirituel. D'un côté, nous avons Dieu. Nous l'avons chanté, il est saint. Notre Dieu est saint. Il est parfait. Aucun péché est en lui. Le mal, il en a en horreur. Il ne le côtoie pas. En plus, c'est un Dieu aussi d'amour. Il a créé la terre, tout ce qui s'y trouve, et il nous a créés, nous, particulièrement. Et il nous aime. Et il veut être dans cette présence avec son peuple. Mais, il y a un mais. Le problème, c'est nous. N'est-ce pas ? C'est marqué dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné de loin de vous pour ne plus vous entendre. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs. Un Dieu saint qui ne supporte pas le péché, qui ne côtoie pas, et nous sommes pécheurs. Or, dans Romains 3, 23, il est écrit « Tous ont péché ». Ah, tu croyais être parfait, mais c'est faux. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Le péché sépare Dieu et l'homme. Ça brise la relation. Mais voilà, dans notre texte de Matthieu, ce rideau se déchire. C'est une bonne nouvelle, non ? Ce rideau qui montrait qu'il y avait un problème de communion, de communication, qui a été difficile, c'est pour ça qu'il y avait tout plein de rites. Vous savez, hein, dans la Bible, tous ces passages d'Exode jusqu'à Deutéronome, où souvent on le lit tellement vite qu'on saute des pages parce qu'il y a tellement de choses. Et pourtant, ça montre à quel point la communication, la communion avec Dieu, c'est pas anodin. Et voilà, ce voile est déchiré. Et j'aimerais qu'on lise dans Hébreux 10, 19 à 22, pour voir la portée de ce voile qui est déchiré. Il est écrit « Ainsi donc, mes frères, et mes sœurs, ça marche aussi. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le voile est déchiré grâce au sang de Jésus. L'entrée du lieu très saint nous est ouverte.
ouverte. Grâce à Jésus et à la croix. Le sang de Jésus, c'est le pardon des péchés. Le mur de séparation tombe. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait obligatoirement, puisque nous avons aussi un Dieu juste, il fallait que ça soit payé. Et Dieu a envoyé son Fils. Payé à notre place. Pour que ce mur de séparation, pour que ce rideau soit déchiré. Pour toi. Pour moi. On a pris la Sainte Seine. En tout cas, certains l'ont pris. Cette Sainte Seine n'est pas anodine non plus. Ça montre aussi ce que Jésus a fait et l'a porté. Dans Matthieu 26, verset 28, il est écrit « Ensuite, il prit une et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Il fallait que Jésus paye. Il fallait que Jésus meure. Il fallait que son sang soit versé. Il fallait que son corps soit brisé pour le pardon des péchés. Dans Hébreux 9, versets 11 à 12, « Or, le venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qui nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. » Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. C'est ça que ça vous fait comme réaction? Un salut éternel. Éternel. Il pardonne tes péchés. Il brise ce mur de séparation, il te donne le salut. Normalement, on devrait être en joie, là. On devrait danser. Ça devrait être la fête. Jésus, alors c'est perplexe, c'est bizarre. On pourrait dire ça comme ça. À la fois, c'est le grand prêtre, et en même temps, c'est le sacrifice. Il n'y a rien de plus parfait. Et tout ça pour toi, pour moi. Et il a fait ça une fois pour toutes. Le grand prêtre, lui, il devait faire tous les ans. Et en plus, il devait faire ça pour lui. Aussi. Mais pas Jésus. Jésus est parfait. Mais il a fait ça une fois pour toutes. Dans Hébreux 10, verset 20, il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Il est celui qui a déchiré et en même temps, c'est la porte, c'est le chemin. C'est lui qui nous donne accès au Père. Dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est lui qui te donne le pas salutaire. Il y a un de mes collègues qui s'est tourné vers moi et il dit « Philippe, tu sais, c'est pour ça que tu es là. C'est parce qu'on avait besoin d'un aumônier à cause de cette crise. » Et c'est vrai qu'on a senti cette ambiance bizarre, lourde à notre arrivée. Et voilà, c'est à cause de ça. Problème. Ce verset, c'est le verset qui pourrait résumer un peu le ministère que j'ai pu avoir. C'est veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Cette crise a fait beaucoup de dégâts. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on reste dans ce dégât-là. Que les relations soient rétablies.
Ok, donc en fait, on a vu au Cameroun, on a pu réaliser que l'évangile a atteint de nombreuses régions du monde, qu'il y a des églises un peu partout, mais que ce n'est pas parce qu'il y a des églises qu'il y a des disciples de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui restent prisonniers de leur culture ou esclaves de leur religion traditionnelle, et ils ont vraiment besoin d'avoir accès à la parole de Dieu, celle qui libère, celle qui éclaire, et ils ont besoin d'y avoir accès dans la langue qu'ils comprennent le mieux et par le moyen aussi approprié à leur situation. En janvier 2020, je suis allée dans une communauté Nwassoué, c'est un peuple du centre du Cameroun. On voit les photos. C'était pour un atelier d'alphabétisation. Et ces villages Nwassoué, ils sont vraiment loin de la route goudronnée, c'est un peu isolé. L'électricité est très instable et il n'y a aucune maison qui a l'eau courante. Donc on voit Philippe aller chercher de l'eau avec la brouette. Et ce qui m'a surtout marquée en fait, dans ce village, c'est le découragement et le fatalisme qui se dégageaient de mes conversations avec les gens de ce peuple. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, c'était toujours « mais comment on va faire ? Nous, on ne peut pas, c'est pas possible, tu vois bien comment c'est. » Et un papa m'a raconté que son fils, comme beaucoup d'autres jeunes du village, avait décidé de quitter l'école. Et il avait voulu que son papa lui achète une moto pour devenir chauffeur de moto-taxi. Et en fait, beaucoup de jeunes de ce village n'ont aucune perspective d'avenir. Il y a beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup de délinquance et même de drogue à des kilomètres d'une grande ville. Les jeunes filles, on nous a dit que l'âge des premières grossesses, c'était vers les 15 ans. Elles deviennent mères au foyer, où elles doivent cultiver un champ pour subvenir aux besoins de leur nouveau foyer. Pourtant, le Nouveau Testament est en cours de traduction dans cette langue. Le livre de Luc est même déjà disponible, mais les gens ne manifestent pas d'intérêt pour la parole de Dieu, même dans leur langue. Et ma question, c'était, je me suis dit, mais comment faire pour que les Nwassoué aient soif de la parole de Dieu et qu'ils puissent être transformés par elle? Et même combien d'autres peuples sont dans la même situation? Et il y a un verset qui m'encourage toujours, c'est le verset de Apocalypse 7, versets 9 et 10. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. En août 2020, on a eu la joie d'assister à la dédicace d'un Nouveau Testament en langue pinyin. C'est une langue qui est parlée dans le nord-ouest du Cameroun. Et là-bas, comme je vous ai dit, il y a la crise anglophone. Donc quand le Nouveau Testament est arrivé au Cameroun, le Nouveau Testament pinyin, c'était pas possible d'organiser la dédicace dans leur village parce que c'était trop dangereux. Mais les pinyin, eux, ils avaient envie d'avoir leur Nouveau Testament et on ne sait pas quand la crise finira. Donc ils ont décidé, en partenariat avec l'association Captal, d'organiser un événement quand même à Yaoundé pour présenter officiellement le Nouveau Testament et qu'ils puissent l'avoir. Donc comme c'était à Yaoundé, on a pu y assister. Donc les gens sont venus avec leurs beaux costumes traditionnels. J'en ai mis à l'entrée pour ceux qui sont passés après. Il y a les costumes traditionnels noirs avec les petites broderies rouges, vertes, jaunes. Et le Nouveau Testament a été présenté officiellement. Ils ont lu quelques versets en langue pinyin. Et on a aussi présenté le Nouveau Testament en version audio, le film Jésus aussi dans leur langue, et plus du matériel d'alphabétisation. Et il y a quelqu'un qui a déclaré « Je suis très heureux. Ça signifie beaucoup pour moi parce que ça rapproche les écritures de mon cœur. La vie privée d'un pinyin est dans sa langue maternelle, donc la parole de Dieu est rentrée dans notre intimité. » Il y a même un pasteur qui a dit que depuis qu'il refaisait les cultes en pinyin, beaucoup de gens revenaient à l'église. Et pour moi, cette dédicace m'a encouragée à continuer dans l'œuvre de la traduction de la Bible pour que chacun puisse avoir accès à la parole de Dieu, au salut, et qu'il soit transformé par elle, et qu'un jour, on soit tous devant le trône et devant l'agneau pour louer Dieu ensemble. En septembre 2019, on m'a donné la responsabilité d'organiser un événement que Wycliffe International organise tous les 11 novembre. S'appelle la journée mondiale de prière Wycliffe. Et je devais le faire de manière locale. Et Captal, pour cet événement, se met avec une autre organisation qui s'appelle la CIL, qui fait exactement la même chose. Et
je me suis rapproché du responsable prière de l'autre organisation pour qu'on puisse organiser cela ensemble. Et on a fait quelques constats. Premier constat, c'est que tous les deux, on était nouveaux dans notre organisation. Donc du coup, on ne savait pas du tout comment les autres fois l'événement a été fait. Deuxième constat, c'est qu'on a remarqué que c'était un événement qui ne suscitait pas beaucoup d'intérêt des deux côtés. Les gens trouvaient que c'était un peu ennuyeux ou quoi. Donc, ils ne venaient pas vraiment. Et la troisième chose, qui est plus terrible, c'est que la crise interne que Captal a vécue, ça touche aussi les relations entre les deux. Et donc, on voyait qu'il y avait une tension entre les deux organisations. Donc, pour commencer, c'était génial, non ? Mais là où Dieu est bon, c'est que le thème choisi par Wycliffe International, c'était la grâce. Alors avec Alain, qui s'appelle comme ça, on a dit on va en profiter pour aller à fond dans ce thème et ramener des relations meilleures entre les deux organisations. Alors du coup, on avait mis en place un canevas de prière. Mis en place 21 jours de jeûne et prière pour ceux qui voulaient. Et on avait appelé ça sur le chemin de la grâce et qui avait pour but de préparer ce 11 novembre. Et le jour J, on avait préparé différentes choses, des temps de prière, différents sujets, différentes formes. Les deux associations brassaient beaucoup de culture, donc on avait dit, on va faire des petits jeux ludiques pour apprendre de l'un de l'autre. Un bon événement, c'est avec aussi un bon repas. Là-bas, ils appellent ça le 11e point. Et pour ceux qui voulaient, à la fin, il y avait un match de foot. Et au fait, le résultat, c'était juste formidable. Les gens étaient vraiment encouragés. Ils ont dit, punaise, on a vécu un bon moment de communion ensemble. On a pris du temps ensemble. Et ceux qui n'étaient pas venus parce qu'ils pensaient que ça allait être comme les autres fois, ils étaient déçus. Ils nous ont dit, ah mince, on viendra la prochaine fois. Et on a encore des échos, encore maintenant, de cette journée-là. Et je peux vous dire que Dieu a travaillé pendant ces 2 ans. Au sein de l'organisation de Captal, les relations sont vraiment meilleures. Ils prennent du plaisir. Avant, ils n'avaient pas de plaisir à partager les uns les autres. Là, ils font ça. Ils prennent du temps pour prier les uns pour les autres. Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait. Et entre les relations, entre la CIL et Captal aussi, ça va vraiment bien. Et on peut remercier le Seigneur parce qu'il agit dans les cœurs. Et ce qui est beau, c'est que... le Seigneur, il veut voir les cœurs rétablis, les relations rétablies, et il nous utilise. C'est beau, hein? Et chacun peut être cet artisan de paix que Dieu désire. Tu es cet artisan de paix. Alors, peut-être que vous êtes posé la question de savoir si ça valait la peine de partir au loin, de travailler avec Captal. Alors, pour moi, quand je suis partie en 2019, j'étais vraiment contente d'être enfin partie en mission. J'avais à cœur, depuis beaucoup d'années, de servir le Seigneur en mission dans l'alphabétisation. Et ça y est, j'y étais enfin. Et en fait, j'ai quand même très vite déchanté parce que ce n'était pas tout à fait comme j'avais imaginé. Je m'étais préparée à tout faire parce qu'on nous dit, pour partir en mission, qu'il faut être flexible, qu'on vient pour quelque chose, mais c'est possible qu'on fasse autre chose, donc pas de problème, je m'étais préparée à tout faire, mais je ne m'étais pas préparée à rien faire. Or, pendant un an, je n'ai quasiment rien eu à faire. C'était très difficile, mes collègues étaient trop occupés pour m'aider, je ne comprenais pas bien mon travail, tous les déplacements que je devais faire en communauté, dans les villages, tous les ateliers d'alphabétisation, tout a été annulé pour diverses raisons. Je me sentais vraiment seule et inutile, je me demandais ce que je faisais là. Et ensuite, il y a eu la pandémie avec le confinement aussi qui nous a touchés là-bas. À tel point que quand on est revenu en France 3 semaines en juillet 2020, j'étais contente et je me disais, si on ne peut pas retourner au Cameroun, c'est pas grave. Je me demandais si ça valait vraiment la peine de continuer dans ces conditions.
Mais on est revenu et j'ai pu avoir plus de travail et plus de responsabilités. J'ai pu travailler sur des documents d'alphabétisation au bureau et des collègues et même des collègues de la CIL, l'autre organisation. On a pu reprogrammer de nouveaux ateliers, j'ai pu me rendre dans les villages et aussi voir leur situation, voir le découragement qu'ils vivaient, voir tous les besoins. J'ai vu aussi que beaucoup de livres du Nouveau Testament qui sont publiés sont malheureusement pas utilisés ou très peu. Et mon travail n'avait pas changé, mais ma perspective avait changé. Et je crois que par la grâce de Dieu, par mon ministère et par ma vie, je peux contribuer au royaume de Dieu. Et c'est là que j'ai compris que ça valait la peine de continuer. Alors, la suite. On est revenu en juin dernier, mais c'est pour repartir. On a nos billets d'avion pour le 17 mars 2022. Et cette fois-ci, on va partir pour du long terme. C'est-à-dire, en gros, plus de 2 ans, mais c'est un CDI, vous savez, c'est... On ne sait pas trop pour combien de temps. On est toujours envoyé par la CIM, mais cette fois-ci, on va travailler avec la CIL, l'autre. Et Morgane va être dans l'alphabétisation, toujours. Mais par contre, pour moi, je vais changer. Je ne vais plus être aumônier. Je vais être responsable d'un service qui s'appelle « Renforcement des capacités » et aussi dans les relations avec les églises. Et aussi la jeunesse. J'aime bien la jeunesse. Et en fait, parce que la CIL a aussi cette vision de pouvoir favoriser l'unité des chrétiens et renforcer la réconciliation des chrétiens. Et donc, mon service-là, c'est un tout nouveau service qu'ils ont mis en place. Ça a pour but cela. Permettre aux églises de pouvoir se développer, mais... les églises en général, pas que les responsables, pas que certaines personnes, mais vraiment tout. Et ça peut être dans le côté théologique, mais aussi des choses pratiques, premier secours, ou bien les choses au niveau de la famille, etc. Donc voilà ce que nous allons faire. On voudrait vous encourager à vous investir aussi dans l'œuvre de Dieu avec nous. Là où Dieu vous place, comme M. Perrin a dit, la France aussi est une terre de mission. Il faut être à l'écoute de Dieu et être disponible pour lui. Et un des premiers moyens, c'est de prier. C'est très important, c'est Dieu qui agit au travers de nous, en nous, mais c'est son œuvre avant tout. Et on a besoin de prier. Je vous ai partagé quelques sujets de prière pour le Cameroun. Il y en a encore plein d'autres, aussi pour les églises, pour notre ministère, pour tout ce travail de traduction de la Bible, d'alphabétisation, pour l'unité des chrétiens. Il y a vraiment beaucoup de sujets de prière, on peut vous en donner encore plein. Un autre moyen de s'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est de partager notre foi autour de nous, partager aussi les nouvelles des missionnaires. Il y a plein de choses à partager pour glorifier Dieu. Partir au loin ou au près, là où Dieu nous envoie. Donner aussi de son temps, de son argent, de ses biens pour aider un projet, un missionnaire. Il y a aussi beaucoup de besoins. Nous aussi, on vit de dons, donc... si vous voulez aussi nous soutenir, vous pouvez venir nous voir et on pourra vous donner les informations. Je pense que vous recevez déjà nos lettres de nouvelles, mais si ce n'est pas le cas, venez nous voir, ou Jean-Marc, ou M. Perrin, ou Patrice, et vous pourrez aussi les recevoir. Et puis, au fond de la salle, bon, je ne sais pas si vous avez de nouveau l'accès à l'entrée, mais on a mis quelques documents qu'on a ramenés du Cameroun, un Nouveau Testament qu'on a dédicacé là-bas, dans une langue du centre du Cameroun, la langue tounaine. Et puis des documents d'alphabétisation, un livre que Philippe a utilisé pour la formation de guérison des traumatismes qu'il a fait peu de temps après son arrivée. Et puis voilà, quelques autres documents et les habits du Nord-Ouest aussi si vous voulez y jeter un coup d'œil. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de notre présentation. Par contre, si vous avez accès, merci de les laisser parce que c'est les seuls exemplaires qu'on a. Et si on veut faire profiter aussi les autres, merci de les laisser. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre soutien et votre accueil et soyez bénis.
Voilà, on vraiment vous remercie pour aussi votre venue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va penser à vous dans la prière. Et puis...